J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, on va faire un tirage complet parce qu'on va faire le général et aussi le sentimental. On va voir tout ce qui est à venir vers vous, les prédictions, les conseils, les messages de guidance par rapport à ce mois-là, le mois de novembre pour vous, mes amis. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller voir les vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire et pour votre signe solaire. Comme ça, vous aurez un horoscope complet. Et il s'agit toujours, mes amis, d'un tirage général. Donc, je vous rappelle, voilà, n'hésitez pas à appliquer votre discernement et n'hésitez pas aussi à prendre ce qui résonne en vous. Puis après, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos. On va faire un tour rapidement sur les supports que je vais utiliser dans cette vidéo pour vous, mes amis. Alors, pour les énergies, on va travailler avec le tarot de Marseille. On va aussi, pour tous les domaines, donc on va travailler avec un tarot Rider-Waite, comme d'habitude. On va aussi utiliser les lits oracles pour avoir des messages supplémentaires en ce qui concerne les prédictions pour vous sur tous les domaines de vie. Alors, si vous avez envie de précommander ce jeu-là, n'hésitez pas, le lien en dessous de toutes mes vidéos, vous pouvez cliquer dessus et passer votre précommande. Et pour l'aspect sentimental, on va le travailler aussi avec un tarot Rider-Waite. Je vous souhaite un très beau visionnage, mes amis. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Coucou mes chers amis les lions, ascendant lion, lune en lion, bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de novembre 2023. Allez, on va commencer l'interprétation par cette carte déjà qui va représenter l'énergie, la vibration, la tendance, et on a la papesse. Alors la papesse, elle va nous parler de plusieurs choses. Il est possible les lions que vous allez pouvoir commencer des formations ce mois-là, voire même peut-être on a des examens, des concours. Sinon je vois aussi tout ce qui est démarches administratives, préparation de contrats, peut-être finaliser certaines choses, clôturer certaines choses. Ça peut être aussi des projets, donc vous vous préparez pour des projets, vous préparez aussi tout ce qui est, voilà, papier, etc., structure pour certains projets pour vous les lions. Sinon, pour moi, je vous vois vraiment agir ce mois-là d'une manière efficace, d'une manière pragmatique, mais en toute discrétion. Ça veut dire que vous faites les choses, mais vous faites les choses comme ça, les lions, avec votre rythme, etc., et vraiment, mais vous n'allez pas vraiment choisir d'en parler à tout le monde. Vous voyez bien, c'est que vous allez faire les choses selon, voilà, selon ce que vous vous sentez bien et juste pour vous, mais certainement en toute discrétion, et je pense aussi c'est ce qu'il faut faire. Alors aussi après, cette carte-là, pour le sentimental relationnel, peut très bien me montrer une relation secrète, une relation discrète. Hein, ça peut être quelque chose qui est déjà existant, comme ça peut être aussi dans le cadre d'une nouvelle rencontre. De toute façon, on verra bien domaine par domaine comment voilà on peut approfondir tout ça. Avec l'élite oracle, pour moi c'est une confirmation qu'il s'agit bien d'un nouveau cycle dans votre vie les lions. Hein, fait exprès, j'ai laissé cette carte, hein, la carte du Joe de deck. Regardez bien, on a aussi des signatures, des contrats, de l'administratif. Hein, vous allez signer de nouveaux contrats, peut-être un nouveau travail les lions. Pour vous, ça peut être des nouveaux projets, peut-être dans le cas d'un déménagement, un nouveau foyer, etc. Ça peut être aussi l'officialisation évidemment d'une relation. Mais on voit bien ici dans vos énergies que vous allez surmonter un défi. Il y a un changement positif dans votre vie qui va vous garantir une réussite par rapport à une notion de manque, par rapport à quelque chose qui a été compliqué, quelque chose qui a été difficile par le passé pour vous les lions. Et ce qui, je pense, est ce qui va marquer aussi une période positive dans votre vie, peut-être comparé à comment ça a été dernièrement. Voilà, peut-être que vous étiez aussi un parmi les signes
qui a dû souffrir vraiment d'une période un peu compliquée dernièrement. Donc là, je pense que sur le mois de novembre, vous allez avoir la possibilité de retourner les choses en votre faveur, d'accord? Voilà, alors en ce qui concerne maintenant les énergies pour vous, les domaines, déjà on va commencer avec ces deux cartes qui vont représenter justement votre énergie, mes amis les lions, comment vous allez évoluer. Alors les lions, je vous assure, si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, ça change vraiment ce mois-là. Parce que là, vraiment, ce sont des énergies de rencontres favorables. Excellent pour les énergies de rencontres. Et pour moi, c'est pas n'importe quel type de rencontre. J'ai l'impression que là, on peut être vraiment sur une rencontre d'âme. Comme par exemple l'âme sœur. Vous voyez, quelqu'un vraiment qui fera un sacré bout de chemin avec vous. Et pour moi, c'est une rencontre aussi d'amour. D'accord ? Alors aussi, également, les lions, je vous vois ce mois-là, vraiment, je vois des changements positifs dans votre entourage, surtout le cercle social amical. Peut-être que vous allez rencontrer de nouveaux amis. Vous allez, par exemple, je prends l'exemple d'un changement dans le cadre de déménagement. Évidemment, par ça, vous allez pouvoir rencontrer voilà, de nouvelles personnes, peut-être un nouveau voisinage, mais je vois de l'épanouissement. Tout ce que vous allez faire ou les changements que vous allez vivre, ce sont des changements qui vont vous apporter de l'épanouissement, d'accord? Et je ne vous vois pas seul, hein, surtout si vous êtes lion, vous avez peut-être souffert de solitude dernièrement ou d'isolement, ce genre de choses. J'ai l'impression que ça va changer justement parce que vous avez des énergies favorables, comme je viens de vous le dire, pour rencontrer du monde et vous épanouir. Alors, en ce qui concerne maintenant, alors juste une petite information, j'ai oublié de dire ça. Alors, je vois les lions, si jamais vous avez des décisions importantes à faire ce mois-là, vous allez certainement faire le bon choix, vous allez certainement prendre la bonne décision. Et je pense aussi que c'est une décision que vous allez pouvoir fêter après. Donc, on peut parler vraiment d'un choix qui peut vous apporter, voilà, voyez, une énergie de réjouissance, une énergie de victoire que vous allez certainement pouvoir fêter, célébrer dans votre entourage. C'est possible. En ce qui concerne le sentimental relationnel qu'on va approfondir aussi dans une deuxième partie de cette vidéo, on a un arcane majeur qui est là. Déjà, on a un, deux, trois. Trois arcanes majeurs pour vous. Voilà, en général, hein, pour la plupart des signes, on tire environ trois arcanes majeurs à quatre. Hein. C'est normal dans un tirage. Donc, ce qui me montre bien aussi pour vous, le mois de novembre, quand même, c'est un mois important sur l'année 2023. Un mois dans lequel vous allez peut-être pouvoir vivre quelque chose d'important. Donc, de toute façon, l'arcane, son nom, la carte de la mort, ça parle toujours de transformation. Donc, on peut s'attendre, encore une fois, à des changements importants dans vos relations, les lions. Par cette carte, on peut parler de rencontres, comme on peut parler de séparation, comme on peut parler de réconciliation. En général, on parle vraiment d'un changement, ça veut dire il y a un avant et il y a un après. D'accord ? Maintenant, c'est une carte aussi qui est fortement connectée au passé. Donc, il peut y avoir ici, voilà, des énergies de retour, des énergies peut-être de réconciliation possible. Maintenant aussi, dans certains cas, ça peut parler de divorce, de séparation. Donc, je vois bien de gros changements dans vos vies familiales, dans vos vies sentimentales et relationnelles, les lions. Donc aussi, cette carte-là, comme elle peut apporter des séparations, genre des fins, des personnes qui peuvent quitter vos vies, elle peut aussi apporter de nouvelles rencontres. Et des fois, ça fait partie aussi des cycles de la vie. Il faut nettoyer, il faut faire table rase, il faut faire des ménages de temps en temps pour laisser de la place justement pour du nouveau. D'accord ? Voilà, donc s'il y a des gens qui vont partir de vos vies ce mois-là, les lions, laissez-les partir parce que ça va laisser de la place pour des meilleures personnes, des personnes avec lesquelles vous allez vibrer davantage et certainement de meilleures connexions. En ce qui concerne la carrière, le travail, la vie active, on a le 4 qui parle de stabilité, mais aussi qui peut me montrer, les lions, que vous êtes peut-être dans une énergie, par exemple, vous avez envie de vous accrocher à quelque chose. Peut-être que vous tenez vraiment très fortement à quelque chose, à un projet, à une activité, à un travail. Bon, ça c'est bien aussi parce que ça vous garantit cette notion de sécurité, de stabilité, mais en même temps, les lions, si vous avez envie d'évoluer, si par exemple vous êtes un lion aujourd'hui, bon, vous avez un salaire, vous avez des revenus qui vous permettent de payer vos factures, d'être bien, mais en même temps vous n'êtes pas épanoui, bon, c'est peut-être c'est le moment justement de considérer un changement. Et ça, vous ne pouvez uniquement le faire en lâchant prise par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, parce que le 4 de pentacle, c'est l'énergie de quelqu'un qui s'accroche,
qui s'accroche parce que bon, voilà, c'est l'habitude, c'était bien, on est dans sa zone de confort, mais justement si on a envie d'évoluer, si on a envie d'aller de l'avant, bah il faut pas rester dans ces énergies là, il faut laisser de la place pour du changement. C'est à vous de voir, c'est à vous de voir, parce que si vous êtes content, vous êtes heureux, vous êtes bien avec ce que vous avez, voilà, moi, peut-être que vous allez continuer votre mois tranquillement comme ça. Maintenant, si vous n'êtes pas justement épanoui dans ce que vous êtes, là où vous êtes, pardon, dans ce que vous avez, et bien justement, c'est le moment hein, de changer ça, de lâcher prise et de considérer le changement, d'accord? En ce qui concerne le finance, tout ce qui est financier, on peut s'attendre à de nouveaux sources d'argent, de nouveaux revenus. Ça peut être aussi des petits projets qui démarrent, qui commencent et que ça peut vous apporter un plus. Maintenant, je vois l'importance de la créativité, voilà, de l'inspiration aussi. Donc, on a des projets créatifs pour certains lions et ça peut aussi, voilà, vous aider quand même à, voilà, avoir des revenus. Maintenant, pour moi, je pense qu'en dehors de ça, c'est un mois agréable en ce qui concerne les finances. Je pense pas que c'est ça le problème parce que regardez aussi dans le dos de deck, quand même, vous avez le magnifique roi de pentacle qui parle bien d'une grande sécurité financière. Donc, oui, il y a peut-être des changements. On peut se faire plaisir aussi avec cette carte, peut-être des petits voyages, on peut s'offrir aussi des petits cadeaux. Maintenant, pour moi, en dehors de ça, c'est vraiment un mois favorable justement pour créer de l'argent, d'accord? Allez, en ce qui concerne votre entourage, on a la magnifique carte de l'étoile qui montre la sérénité, la paix. Donc, on voit bien que vous êtes bien dans votre entourage. On voit bien aussi que c'est une carte également qui favorise les réconciliations, les compromis, vous voyez, la sérénité. Si jamais il y a des frictions, si jamais il y a des conflits, si jamais il y a des séparations dans votre entourage, donc on peut s'attendre justement à une meilleure, voilà, à des énergies de guérison, à un mieux-être, vous voyez bien. Peut-être aussi, on peut s'attendre également à tes réconciliation, d'accord. De toute façon, on a aussi la protection sur vous, donc ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Donc ici, voilà, ne pensez pas à tout ce qui est envie, jalousie, etc. On voit bien que vous êtes protégé ce mois-là, donc lancez-vous, faites ce que vous devez faire de votre part et les choses vont suivre d'une manière naturellement. En ce qui concerne maintenant l'aide pour vous les lions, ce qui peut vous aider, je pense que c'est de faire face aussi à tout ce qui vous, voyez, tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous peut-être gêne en ce moment, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans une relation. Parce que je pense que les lions, ce mois-là, c'est pas le mois de négliger certains signes, de négliger certains drapeaux rouges, ou d'ignorer certaines choses, ou tout simplement de choisir de se voiler la face. Je pense pas que c'est l'énergie pour ce mois-là, et je pense pas non plus que c'est la technique, hein, ou c'est la stratégie, vraiment pour convenablement, pour faire les choses convenablement. Pardon. Je pense ici que c'est le mois dans lequel vous serez invité justement à faire face aux choses qui vous dérangent pour bien les régler convenablement, pour peut-être, voilà, hein, faire un grand ménage comme je viens de vous le dire quand c'est nécessaire pour laisser de la place à ce qui est bien, à ce qui est nouveau, à ce qui est convenable pour vous dans votre vie. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut vraiment pas avoir peur ce mois-là si jamais, voilà, il y a des choses à régler. Peut-être que vous êtes de nature... Voilà, vous êtes une personne, vous n'aimez pas les conflits, vous n'aimez pas, vous voyez, les confrontations. Mais justement, je pense que sans ça, vous ne pouvez pas vraiment avancer convenablement. Voilà. Alors, en ce qui concerne le conseil ou le défi, les lions, je vois bien que vous avez un problème de confiance. Alors, ça peut être dû à un conflit, ça peut être dû à une situation. Mais de toute façon, essayez tout simplement de, déjà, sur un premier plan avec cette carte, de bien prendre soin de vous, parce qu'on sent bien que vous êtes fatigué, on sent bien peut-être que vous êtes dans une phase dans votre vie là où vous manquez peut-être de confiance ou de courage aussi, hein, parce que vous êtes fatigué. Voilà, vous avez envie d'avancer, vous avez envie peut-être d'atteindre une résolution, mais par contre, il y a quelque chose qui vous empêche, voilà, de le faire, hein. C'est peut-être, voilà, il y a quelque chose à résoudre avant, d'accord. Maintenant, pour moi, je pense que malgré tout, vous allez avoir la force, la détermination, le courage pour faire ce que vous avez envie de faire, même si aujourd'hui vous avez cette voix en vous qui vous dit non, moi j'en peux plus, je dois baisser mes bras. Surtout, il faut pas baisser les bras ce mois-là parce que vous y êtes presque. Cette carte, elle me rappelle toujours, vous voyez, les derniers mètres dans une course par exemple. Hein, c'est que voilà, on arrive au bout, on est carrément, voilà, on peut plus respirer convenablement, mais vous y êtes presque, je vous assure, et ça sera bien mérité. Donc surtout, si vous êtes des fois dans cette énergie-là, dites-vous que voilà, on y est presque.
Voilà ici pour le général. Maintenant, on va prendre justement le temps pour approfondir le sentimental. Allez, on va mettre cette carte-là de ce côté-là et on va chercher notre tarot. Allez, lion, ascendant lion, lune en lion. Alors déjà, les lions, vous sortez ici dans votre tirage. Ça peut me montrer aussi l'énergie d'un signe de feu. Peut-être que vous êtes ici avec quelqu'un qui est né sous un signe de feu. Alors regardez, j'ai la carte de la mort hein, qui ressort encore une fois. Donc on voit bien qu'il y a un cycle de transformation dans votre vie sentimentale, amoureuse. Hein. Il y a de gros changements dans votre vie en ce moment, les lions, hein, où vous êtes à l'aube d'un grand changement dans votre vie sentimentale, relationnelle. On est bien d'accord. Et ça, c'est l'énergie justement qui est entre vous et quelqu'un. Alors, ce type de changement, ça peut vous rapprocher de quelqu'un comme ça peut vous éloigner de quelqu'un aussi, on est bien d'accord, hein, d'accord. Allez, je continue quand même pour vous apporter un peu plus de clarté ici. Donc on peut s'attendre aussi à des révélations, d'accord, à des secrets qui se révèlent, les lions, ce mois-là, mais aussi on peut s'attendre aussi à un mois dans lequel vous allez pouvoir vraiment mettre les choses au clair avec quelqu'un une fois pour toutes et créer un nouveau départ. La carte du soleil, c'est aussi une carte qui vous représente, c'est la carte du signe du lion aussi également pour moi, mais également c'est la carte de l'amour avec un grand A et c'est la carte du bonheur, on est bien d'accord. Déjà regardez bien dans le dos de deck, on a le 10 de coupe qui n'est pas très loin. Ça me dit quoi? Tout ça, ça me dit que les lions, votre couple, votre relation, elle passe par une transformation importante. À partir de là ou dorénavant, les choses vont être complètement différentes. Alors, il est possible que vous avez dû passer par un cycle difficile ou peut-être que vous êtes encore dans ce cycle difficile actuellement dans votre couple, dans votre relation. Peut-être que vous êtes séparés, vous venez de vous séparer, vous voyez bien. Mais tant qu'il y a de l'amour, parce qu'effectivement, il y a de l'amour dans cette relation, dans ce couple, vous allez pouvoir vous retrouver. Et là, j'ai un nouveau départ. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. On a la réussite aussi avec l'as d'épée, ce qui me dit que ce qui représente aujourd'hui un défi dans votre relation, dans votre couple, vous allez pouvoir surmonter tout ça. Et je pense que c'est le résultat de cette transformation qui est là. D'accord ? Allez, on continue notre tirage. Peut-être aussi, les lions, cette transformation qu'on voit bien ici, ça peut être une transformation à l'intérieur de vous aussi. Hein. Quelque chose qui change en vous, quelque chose vraiment qui change en vous pour du mieux. Hein. Ça peut être, je ne sais pas pourquoi, mais aussi, évidemment, cette carte, c'est la carte d'enfant. Donc là, pour certains lions, ça peut me montrer justement que vous avez décidé de devenir parent. Peut-être pour la première fois, ou tout simplement, vous avez des projets d'élargir votre famille. Si vous êtes à l'âge, hein, on est bien d'accord. Hein, si vous êtes par exemple, il est possible aussi, si vous n'êtes pas à l'âge, peut-être que ça concerne vos enfants et que vous allez devenir des grands-parents pour la première fois. Vous voyez, ça peut être vraiment ce type de transformation qui change notre vie, qui marque notre vie pour de bon et pour du mieux. Parce que regardez bien les cartes qui sont autour, ce sont des cartes extrêmement positives. Et vraiment, il ne faut pas avoir peur hein, de cette carte, hein, on est bien d'accord. Des fois, on a des changements importants, des changements qui doivent être faits justement pour pouvoir laisser de la place pour ce qui est beau dans la vie. Hein, voilà. Ah, regardez, c'est magnifique, les lions, carrément, là, franchement, j'ai un très, très, très beau cycle qui est à l'horizon pour vous, là, vraiment, vraiment, les lions. Déjà, regardez, hein, j'ai la carte de la reine qui ressort, donc là, on a un couple parfait, un couple harmonieux, on a de l'amour. Alors aussi, ce tirage, il peut s'appliquer à mes amis qui sont dans des triangulaires. Alors, peut-être qu'effectivement, on a une personne qui s'écarte d'une triangulaire pour laisser de la place à votre couple. Hein, voyez, donc la tierce personne, peut-être, voilà, elle s'écarte justement pour que vous puissiez vous unir en amour avec votre autre, parce que là, évidemment, avec ces cartes, on a la projection dans l'avenir, on a des projets. On a vraiment des projets. Et je pense que le fait que vous arrivez là aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, parce que vous avez une relation qui est basée sur l'amour.
Hein, voilà, c'était un parcours difficile. Évidemment, ce n'est pas facile pour certains lions. Peut-être que vous avez dû vraiment passer par une séparation difficile, des choses très compliquées. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez pour du bien. Et on a l'étoile qui est là, qui vous protège et qui vous assure cette sécurité, cette réussite. Et qui vous dit que ne perdez pas de l'espoir par rapport à votre amour. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est dans un cycle difficile qu'il faut baisser les bras et voilà, hein, mettre un trait et puis dire c'est bon. Non, des fois aussi, voilà, ce genre de défi, ça nous rend plus fort, ça nous rend plus proches l'un de l'autre et ça nous rend plus amoureux l'un de l'autre. Et de toute façon, c'est ce que je vois ici dans votre tirage. Donc ne perdez pas l'espoir, les lions, si aujourd'hui vous passez par un passage un petit peu compliqué dans votre couple, dans votre relation ou dans votre vie sentimentale d'une manière générale. Vous allez pouvoir vous retrouver, il y a un meilleur chapitre ici qui vous attend juste derrière, je vous assure, d'accord ? Voilà les lions que j'ai pour vous, prenez bien soin de vous, je vous remercie encore une fois pour votre présence sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.